Et bonjour à tous, c'est Titi de Rotrek, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et aujourd'hui on est sur une toute nouvelle map, comme dit précédemment, sur la Westbridge Hills les amis, avec Fabien. Salut Fabien. Bonjour tout le monde. Voilà, donc il est venu. Ah là ça a commencé, c'est bizarre. Bizarre. Ça a commencé, c'est tant mieux. Donc du coup aujourd'hui on va commencer sur cette nouvelle map. Donc aujourd'hui on va faire ce qu'il y a de base. Hein. Alors j'ai mis tous les modes qu'on avait dans l'ancienne sur la nouvelle, j'ai tout mis à jour, hein, voilà. Donc du coup on va commencer à maçonner, et après Fabien derrière avec le tracteur, il fera les bottes en même temps. Comme ça on amassera, et dans le prochain épisode on ramassera les bottes, on aura le temps. Voilà, et c'est etc, etc, etc. Donc du coup je vais mettre la coupe en place. Hein. Fabien ? Oui. Tu peux dételer la... après si tu le fais et tirer la remorque hein. Je tracte là parce que je vais atteler la coupe à la moissonneuse hein. Oui, et j'aurais besoin que tu me tires la remorque en fait, que je pousse le chariot, ouais, que tu la lèves de dessous quoi, tu vois ce que je veux dire. Non, attends. Attention, tire toi Poum ah. Oh là 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 là! Je t'avais dit tire-toi en plus! J'étais en train d'avancer pourtant! Bon, je crois que c'est planté hein! Ah, normalement bon. Le toit du tracteur là il est. Début de vidéo magnifique! Bon attends, je vais réinitialiser ici. Non, tu peux pas! Ah non! Attends, c'est je vais le faire moi! Je vais réinitialiser ou pas? De quoi? Descends. Voilà. Alors, t'as fait la poussière. C'est à travers la poussière. Voilà. Ah, mais tu te fais un sandwich. Tu fais ta, mais tu vas chercher. Tu sens la presse là? Non, la presse. Ouais, donc c'est bon. Oh, ça passe bien, les amis, hein. Mais bon. Voilà, il est... ça ne m'étonne pas parce qu'on est toujours aussi taquin. Hein. C'est pas qu'on change de map qu'on sera jamais taquin. Ce serait bien d'atteler une presse derrière la remorque, derrière la moissonneuse. Ce serait bien. Oh, remarque, allez, puisqu'on vit un jeu, on a envie de faire les bêtises. Allez, chiche. Chiche d'atteler une remorque. Allez. Même si ça marchera pas, à forcer. Ça serait bien, ça serait une bonne idée, tu vois. Ah ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh là là ! Oh non, j'ai réussi en plus ! Tu avais réussi ? Oui. T'es dans la boîte. Oui. Oh oui. T'as réussi. Oui oui oui. T'es pas sérieux là. Si. On va essayer cette nouvelle technique. Alors ça c'est pratique. Attends, au pire je vais atteler le chariot là. Et justement ce que je voulais que tu fasses. J'ai réussi. Alors ça c'est pas mal. On pourrait dire qu'est-ce que c'est que cette technique. On me demandait sans problème. Technique. Ah, je n'arrive même pas. Ah, je n'arrive même pas. Non. Et en plus ce qui est bien c'est que t'as tout qui démarre quand j'appuie sur la touche B, y'a tout qui démarre en même temps. Vous pouvez regarder les amis. Hop. Il y a tout qui passe, il y a tout qui démarre. C'est génial. Et attends, faut que j'essaie de faire un screenshot. Mais au moment pas screenshot, hein, bah commence, puis je prends un screenshot. Et impression écran. Mm-hmm.
C'est bon? Ouais. Allez, c'est parti. Non, c'est pas sérieux quand même. Attends, on va vérifier. Apparemment, oui. Là, si on fait des traces, c'est derrière. Ah, par contre, attends. Le broyeur, oui. Attends, désactive le broyeur. Ouais, il est activé le broyeur. Activer d'abord. Activer le broyeur, voilà, c'est bon. Hop, on y va. Regarde si ça fait des traces derrière. Ah, par contre, ça marche pas. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ça ramasse pas. Oui, regarde, ça fait des traces derrière. J'essaierai d'élaborer cette remarque un peu plus tard, les amis. On jouera dès tout à l'heure. On aura tenté. On aura tenté, voilà. Tu peux prendre le tracteur et tu peux le rappeler. On aurait essayé de faire comme une bêtise. C'est quand même une bonne idée. Hein. Ouais. On essaiera pour la prochaine fois d'essayer d'élaborer ce système. C'est hors du commun. Par contre, si tu peux recommencer au début, ce serait pas mal. On va faire une vidéo d'un petit quart d'heure, je pense, les amis. De quoi? Comme les derniers épisodes. Voilà. Enfin, une petite vidéo d'un quart d'heure comme dans les épisodes des amis. Tu veux mal. Ah, tu veux et tu commences. Voilà, donc là, c'était une bonne idée. J'ai dit que c'était une bonne idée quand même. Il faut l'avouer, hein. Alors peut-être qu'on téléchargera un mode pour la presse, hein, et que je le testerai en vidéo, c'est sûr et certain. Je ferai pour la prochaine vidéo, c'est-à-dire, je pense que pour famille, on va faire une petite pause dans la semaine. Hein. Je vais la poster quelque tard, mais donc, durant la semaine, je pense que je ferai une petite pause sur cette vidéo, sur cette carrière de vie. Pendant quelques temps, quelques 6 jours, ou 4 ou 5 jours, ouais, voilà. Et après on recommencera avec. J'espère qu'il y aura Fabien. Bah suivant on verra puisque je comprends les cours. Oui toi tu reprends les cours, je sais. Donc on verra suivant le temps et puis. Ah ouais. En plus je peux parler un tout petit peu plus fort parce que je t'entends pas trop en fait. Ah. Alors, des fois il y a des problèmes de son aussi, ça arrive. Ça va, ça marche Fabien? Oui. Ah voilà, je t'entends un petit peu mieux là. Ah par contre j'ai tout, c'est que je suis toujours malade. C'est pas toujours le mieux que je n'ai pas être malade. J'ai pas que ça coupé parce que moi ça coupe pas Fabien. Je sais pas si ça coupe les autres. Hein. Comme j'ai dit dernièrement, on va faire que sur la West Bridge, que la veille, normalement. Mais à partir de la veille, qu'est-ce que tu fais toi? Non mais c'est que ça c'est... Oui, trouve une excuse, oui, trouve une excuse valable parce que sinon... Voilà les, ça va barder. Il va se faire gronder par le patron. Oh, oui, dis donc. Voilà. Non, mais ça c'est plus bien. Je me téléporte et je vois pas ce que je fais. même quand ils sont pas visés tourner, même quand on ne veut pas, en fait, ils font des bêtises. Plein de bêtises avec. L'autre fois il a planté mon moisson, il a planté la silence, il a... Il voyait des tracteurs fantômes. Voilà. Ah, j'ai véhicule quoi?
De quoi? J'ai pas entendu. J'ai eu un comme problème. Oui, oui, oui. Alors, la plupart des youtubeurs, par exemple Galax, ils font des vidéos sur ce jeu à facecam, c'est-à-dire par webcam, avec le, avec une montre, sa tête, voilà. Moi je le fais pas parce que je ne peux pas, pour l'instant je n'ai pas envie. Mais pour commenter c'est déjà pas mal de commenter. Pour moi déjà pas mal, c'est de commenter c'est déjà pas mal. Déjà il y a beaucoup de monde qui, il y en a qui ont du mal à commenter les vidéos, surtout sur sur des jeux de simulation, mais c'est difficile de commenter. Hein. Quand on est timide après quoi? Après les personnes qui sont timides c'est normal qu'ils aient le même. Oui oui voilà c'est ça. Pourquoi est-ce qu'apparemment je réussis à apparaître à faire des vidéos sur à la première qu'elle a suivi la première vidéo là qu'elle a suivi pour le jeu. J'avais dit que je ne ferais pas de vidéo sur un truc pour commenter des vidéos de 25 minutes de l'heure. Ah, c'était quoi ça qui avait pété là? Je sais pas. J'ai tenu un peu. Ouais, moi aussi. C'est quoi qui fait ça? Je sais pas. Ah! C'est affreux comment il se téléporte pour ce bien. Ouais. Oula! J'ai pas vu que le machin est fini. Ça t'arrange de les rentrer les remorques sur le côté, non? Les remorques est un peu au milieu là, il y a tout le monde qui doit. Ça gênait tout le monde, mais bon c'est pas grave. Oh mince. Non, t'inquiète pas, je te grondais pas. Hein. Je sais pas méchant. Non, je vais pas faire une vie aussi. C'est pas vrai quand même. Je ne pas méchant. Je suis taquin, mais pas méchant. Ce chat, vous voyez que sur la raison de dire. Attendez. J'ai trouvé la touche pour enlever juste l'affichage. Alt-H. Non, c'est juste l'affichage du tutoriel pour F1. Activer les machines et tout. Aussi. F1. Ouais, attends. Oui, c'est ça. D'accord. Là, pour tout enlever, c'est l'altache, c'est ça? C'est ça. Mais quand elle avait tout le fléchage, c'est beaucoup mieux. Ouais. Attends, faut de vie parce que sinon, moi, je vais te passer par derrière. Hein. Tu vas te prendre un bon seconde là. Mmh. Non je rigole. Bon, passons. Nous allons continuer cette vidéo. Pas vu le quand je serai plein, tu iras chercher une remorque ou pas? Oui. Puis, non. Attends, je sais juste ce que je vais faire. Je vais l'oublier là. Attendez, je vais juste couper le micro 2 secondes. Alors je vais juste le couper 3 secondes, attendez. Je reviens, hein. Ne vous inquiétez pas, je reste là. Attends, Fabien, tu peux parler. Hein. Tu as ton heure de gloire. Fais la carte blanche pour parler, tu peux dire ce que tu veux. Moi, je me téléporte, c'est 3. Franchement, je bouge même plus. Coucou les amis, voilà. Je l'adore cette petite voiture. Tout en une demi-heure, quoi. C'est affreux. De quoi? J'ai dû faire deux lignes en une demi-heure, quoi. Mais tu crois qu'en fait, je crois qu'on fait ça, ouais, en fait. Oh putain. Excusez-moi les gros mots, mais je suis vraiment grossier, quoi. De toute façon, ça m'énerve. C'est pas que je m'énerve, au contraire, c'est que j'arrive pas à la télé. C'est affreux, il fait des dérapages à moitié mon tracteur. Oui,
Mais même sur Scania Trucker Inc, je sais pas si vous l'avez vu, mais dans une vidéo, c'est dans la seconde, je crois. Oui, avec la remarque sur la route de la mort, la remarque, elle dérape sur le côté, c'est génial. Logique. Ce qui me fait peur, c'est que j'aime bien cette route de la mort parce que ça me fait rappeler, parce que j'adore le commande extrême, moi. Je regarde cette émission. Et ça me rappelle un moment où il est passé, c'était le commande extrême qui passait sur la route de la mort, et ça me fait rappeler ça, voilà. C'est que c'est un truc qui existe vraiment. Elle existe la route de la mort, elle existe en Bolivie, je crois. Ah ouais. Oui, c'est ça. En Bolivie. Ça existe vraiment en Bolivie. Je savais pas. Tu aurais appris quelque chose. La remorque, qu'est-ce qu'elle a? Le vol peut-être, non? En face à face, la chip, tu vas te faire... J'ai chaud là. Il te fait envoyer. Ah non, il faut pas que l'autre il arrive, non? Oh non, oh, salabruti. Non, je déconne. Oh les oublis. C'est affreux. Ah, ça pourrait être un peu, c'est affreux. T'es en train de la vider là, la mousse-bot? On s'attend qu'elle passe en dessous de la remorque pour qu'elle se vide. Ouais, mon tracteur, c'est quoi là? Je me téléporte maintenant. Merde, je suis trop loin. Il monte bas sur moi. Et encore, il est capable de monter sur mon capot. Un petit dieu. Il l'a fait. Oui, mais je monte partout, sauf que je me téléporte. Oui, t'es un kangourou quoi, voilà. C'est ce que tu veux dire. Oh, je vais te broyer là, vraiment. Yep, Fabien. On va jouer au taureau. Attends, tiens, on va jouer au taureau, tu vas voir. Tu dis un taureau? Voilà. Là, je suis à travers. Dégage de là, l'ouvrier. Employé. Non, parce que c'est arrêté. Ah, mais c'est lui qui t'a mentionné ça. Non, qu'est-ce qu'il fait? Non, il veut pas le faire. Pourquoi? Tu vas pas avancer quand même. Hein? Il va avancer encore. Tout... Oh non, il a fait. Au secours. Il mentionne ce qui me poursuit. Je remets l'ouvrier, je suis gentil. Non, non, mais vas-y, continue, c'est marrant. Ouais, non. Je vais faire plein d'oubli, sinon. Et pendant ça, t'es où, toi? Oui, je suis dans la masse bête. Moi, c'est toi ou c'est l'ouvrier? Non, bah, en fait, je suis monté dedans, mais c'est l'ouvrier qui bosse. Ouais, moi, à un moment, tu glandes rien, quoi. Tu te branles les nous, quoi. Voilà. Ouais, c'est ce que je pensais. T'as tout compris. Hein? T'as tout compris. T'es, branleur de nouilles. Branleur! Il est en train de se branler les nouilles, là, en train de rien foutre, là. Non, mais. Il est sérieux, là?
Non. Tu veux jouer à ça? Je ne vois plus rien, je ne vois plus rien, les amis. Oh, joli. Celui qui continuera les bottes de paille. Oh non. Et après, c'est Bibi qui va devoir tout ramasser. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Magnifique. Ouais, magnifique, mais aussi t'as foutu le bordel. Ah, mais ça, tu peux pas dire le contraire, hein. Bon, en fait, je vais engager l'ouvrier. Oui, ça vaut mieux. C'est mieux. Elle va bientôt être pleine, par contre. Ouais, mais après, on va s'arrêter là, de toute façon, donc... Elle pète à combien? Là, enfin, là, elle est à 86%. On la met dans rail, après, on le... Ah! Non, je l'ai. C'est pas bien que je l'ai, parce qu'il faut rien. Non, 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 c'est... Bon, moi, là, je suis... j'observe l'ouvrier, en fait. Oui. Tu m'observes ou quoi, en un mot, quoi? Tu regardes ce que je fais, quoi. C'est ça? Voilà. Je t'observe. Oui, c'est ce que t'avais dit l'autre fois, bien sûr. T'as dit pareil l'autre fois. La prochaine fois, te fais pas, je te trouverai du boulot. Oh non. Allez, circuler. Oh, le vilain, il va faire un oubli. Quoi, circuler, circuler quoi? Non, oh, je fais la police. Allez, fais demi-tour, c'est ce que je fais, moi, policier, moi. Tu sais ce que je vais leur faire, moi? Je suis là, j'arrive. Non, il y a mon casque. Je t'ai eu. Je cours plus vite que la Jeep, c'est normal. Ça. Non, j'ai ralenti. T'as pu me feinter, hein. On a moissonneuse, comme ça tu feras style de travailler. De quoi? Après, t'as moissonneuse, comme ça tu feras style de travailler. Ouais, voilà. C'est bon, en plus. Allez, pas si tu veux, mais au moins, fais semblant. Ouais, bon. T'as vu, je fais des belles manœuvres. Oui, je vois ça. Tu débrouilles bien, je trouve. Hein? Je me débrouille bien pour moissonner quand même. Oui, oui, oui. Je te crois. Mais tourne en squat. C'est pas en diagonale. Ah non, c'est bon. Il serait peut-être temps de tourner. Hein. C'est pas toi qui moissonne par hasard. De toute façon, ça m'étonne pas de toi. Oh bah merci. Encore non. 5%. De quoi? Encore 5%. D'accord. Non, je rigole. Non, mais franchement, tu fais du bon boulot quand même. Voilà. Franchement, quand même, bon. Bon, c'est bien. C'est... Mais ok, moi aussi, je suis déchaîné du véhicule, ça va faire comme une merde. Par hasard. J'ai tellement doué que je reçois des dessins du véhicule en tournant. C'est quand même génial. Bon les amis, on va vider cette moissonneuse et après on sera tout là. Et on arrêtera pour cette vidéo. Que ça pense? Parce que je pense qu'on a fait un peu... Oui. Parce que je pense qu'on a fait un petit peu de bordel comme aujourd'hui. Ah, je crois qu'elle s'est arrêtée, non? Et exact. Bah, j'ai bien travaillé. Oui, t'as bien travaillé, oui. T'as fait quelques bottes? C'est jamais que rien. Ouais voilà, et en faire 2-3. Oui 2-3 ouais, mais il faudra un peu faire un peu plus la prochaine fois quand même. Mais ça va être méchant quoi. Enfin, je pense que tu m'as compris. Ouais. Voilà. Voilà, on va vider cette moissonneuse les amis, et après. Fabien. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Vide-moi cette moissonneuse. Ah, il est incorrigible celui-là, hein. Bon, j'espère que ça vous aura plu quand même.
malgré que Fabien fait que délirer. Remarque, moi aussi je suis pas dans les derniers. De quoi? J'ai bien travaillé. Oui, t'avais travaillé. Remarque, moi aussi j'ai bien travaillé, j'ai rien foutu, mais c'est pas grave. Je suis bien dans les lignes au moins aussi. Au moins on est deux. Remarque, moi aussi j'ai rien foutu. Voilà. De toute façon, moi je fous rien. Quand j'ai envie de rien foutre, je fous rien. Voilà. Même s'il fallait travailler, je travaille pas. Voilà. Bon, Bref, j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo un peu... What the fuck? Complètement. Oui, t'es bien. Même si tu fous tout le bordel, c'est pas grave. Même si on a essayé une nouvelle technique pour faire les boîtes et moissonner en même temps. Ouais. C'est un cours de développement. Salut. Cette machine sera un cours de développement. Voilà. Vous devez inventer une moissonneuse qui ramasse ça et qui en même temps fait des boîtes. Ça serait cool ça. Ça ferait moins de boulot à faire. Et après un grand attelage à l'arrière pour que. Pour tu sais quoi? De quoi? Après, tu vois, une moissonneuse, une ramasseuse de bâton, tu sais, une presse, une grosse presse. Avec en même temps une moissonneuse, c'est une moissonneuse avec une presse incorporée sur la moissonneuse. Et un attelage pour mettre une ramasseuse dans l'automatique. Comme ça, dès qu'on ramasse ça, ça fait les boîtes et tout. Ça, ça serait faisable ça. Oui. Je vais demander à. Il faut que je demande à quelqu'un. Texas 22. Oui. Texas 22, lui, c'est un bon modeur. Donc je lui demanderai, je lui poserai la question et je vous tiendrai au courant pour ce mode que je viens d'inventer. Qui compte en votre femme, mais c'est pas grave. Je demanderai demain donc à Texas 22 et on verra bien ce qu'il dira. Bon, je pense qu'il acceptera parce que vu que tout ce que j'ai fait. Je suis dans les grands, ma caméra elle est dans les grands. Par la mienne en tout cas. Bon. J'espère que ça vous aura plu. T'as quelque chose à dire pour la fin? Bon, on rigole, on se taquine, c'est normal. Ah, ça y est. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Hein. Alors, ben, merci à toi, Fabien. Hein. Pas de rien. Voilà. Merci d'être venu hein, d'accepter mon invitation. À toi et j'espère qu'on se reverra vite avec Fabien parce que Fabien franchement c'est quand même on s'amuse bien avec lui. Ah oui. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu hein, quand même hein, malgré les petits bugs qu'il peut y avoir, mais ça c'est normal hein. Je n'ai plus que du métier, voilà, je suis un peu comme ça. Et moi je vous dis à la prochaine, allez salut tout le monde, salut tout le monde.